Bonsoir, vous allez bien? Aujourd'hui, j'ai un sujet pour vous, sujet de la monétisation de la page Facebook. Il ne s'agit pas du profil Facebook. On a tous un profil Facebook. Et ne confondez pas le profil avec la page. Comme pour moi, par exemple, ça parle de la mobilité entre l'Afrique et le Canada. C'est-à-dire que ceux qui veulent aller au Canada et puis ceux qui sont au Canada qui veulent retourner en Afrique s'installer. Donc, c'est un peu ça. Mon sujet sur ma page Facebook et puis j'ai une autre page Facebook qui parle de tests d'aptitude pour entrer dans les écoles de commerce. Les deux pages que j'ai, je peux créer plusieurs pages. Donc ça c'est les pages Facebook, c'est ces pages que je peux monétiser. Et je ne peux pas monétiser mon profil Facebook, parce que mon profil Facebook c'est mon profil. Et vous savez que sur le profil Facebook, le nombre d'abonnés et le nombre d'amis est limité à 5000. Hein? 5000, donc moi j'ai presque atteint, donc c'est limité à 5000, donc on ne peut pas le monétiser. On peut juste monétiser sa page. Donc il y a des conditions pour monétiser sa page. Il faut avoir au minimum 10 000 abonnés sur sa page Facebook. Et pour ceux qui font le buzz, je pense que c'est facile pour eux. Mais moi je suis très très loin du compte. Hein. Je suis sur mes deux pages. Par exemple, il y a une page, je suis à 700. Et puis l'autre page, je suis tout autour de 400. Donc c'est très loin. Et puis aussi au niveau des vues, pendant une période de 3 mois, vous devez avoir 30 000 vues. Et moi, je fais pas de buzz parce que c'est des sujets que j'aborde avec mes amis et les gens qui sont intéressés à bouger entre les deux continents, l'Amérique du Nord et puis l'Afrique. Donc c'était ça mon sujet. Donc c'est pas quelque chose qui est conçu pour pouvoir attirer beaucoup de personnes pour pouvoir plus tard monétiser ça. Donc c'est juste quelque chose pour se, comme on le dit, c'est pour s'entraider, pour jaser de ça. Donc ce que vous allez faire, vous allez créer une page Facebook. Je vois des vidéos, c'est un profil et ça attire des milliers de personnes. Et je me dis, mais pourquoi ne pas créer une page et puis déposer ces vidéos-là? Ça serait intéressant pour vous. Vous avez une page, par exemple, vous allez, par exemple, la joie de vivre. Bon, supposons votre page s'appelle La Joie de Vivre et puis vous allez mettre des sketchs, tout ça. Les gens vont venir, ils vont rire, ils vont apprécier. Et vous allez facilement avoir les 10 000 abonnés. Et les 30 000 vues, ça sera du pair. Vous allez avoir les 30 000 vues. Vous allez pouvoir monétiser cette page, mais n'utilise pas convenablement. Donc, vous savez qu'on peut monétiser la page Facebook. Donc, créez une page Facebook et puis vous avez beaucoup d'amis, vous pouvez vous faire facilement 10 000 abonnés. Et puis 30 000 vues rapidement sur vos vidéos. Et facilement, vous allez vous monétiser ça. Donc, ça, c'est les conditions, mais il y a une autre condition. Cette condition, elle élimine beaucoup de personnes. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les pays qui sont éligibles à la monétisation. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire soit éligible. Hein. Tous les pays européens sont en majorité éligibles. L'Amérique du Nord, c'est éligible. Pourquoi? Parce que l'ensemble des annonceurs sont dans ces pays-là. Donc, ces annonceurs payent Facebook pour qu'on puisse voir leur publicité, on puisse acheter leurs produits dans la zone. Donc, c'est naturel qu'ils renouvellent Facebook pour ça, pour contourner ça. Ça, ce n'est pas une condition très rigide, on peut la contourner. Il suffit de nommer un administrateur. Nommer un administrateur sur votre page qui va s'occuper d'activer la monétisation pour vous depuis un pays éligible comme l'Europe, les États-Unis, même l'Afrique du Sud, il va activer la monétisation pour vous. C'est ça, c'est tout. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Et puis, je vais vous installer la version Android. Ça vous permet de suivre les statistiques de votre page Facebook et voir si vous êtes éligible à la monétisation. Et puis, à partir de là, vous allez voir comment vous allez activer la monétisation. Suivez-moi pour l'installation de la version Android. Ok, c'est facile, hein? Vous allez juste mettre Facebook Creator et puis vous avez fait l'installation. Vous allez écrire Facebook Studio, vous avez fait l'installation. Ça vous envoie directement sur la page et puis il va reconnaître votre profil. Et puis ensuite, il va vous montrer les pages que vous avez créées par rapport à votre profil. Vous avez vu les deux pages que j'ai créées. Donc, il vous montre les statistiques, tout ça. Et vous pouvez voir les statistiques ici sur Facebook Studio, vous pouvez même déposer des vidéos sur votre page. Donc ça permet de voir les statistiques, de voir comment la page évolue. Et c'est vraiment intéressant.